on sait que le Club Med n'est plus là maintenant. On ne sait pas qui est-ce qui va acheter cet endroit. La plage est libre, on connaissait la plage. Et de temps en temps, quand il y a du vent, on vient au club. On vient au club fermé ? Ben oui, il suffit de se glisser entre les buissons et d'emprunter le sentier littoral public qui borde le site privé. Pour les habitants alentours et les estivants, c'est que du bonheur. Le soir, on n'a plus l'apéritif, etc., avec les grandes chansons du Club Med. Là, on a vraiment... en tout cas, moi, ce que j'aime encore, c'est le côté profiter des sons, profiter du bruit de la mer. Donc, on y a un peu plus accès. Car l'été 2020, les apéros de Saint-Ambroge, ça donnait ça. Sourire ravageur et jour de fête sur la placette, au centre des 300 chambres du club. Sauf que pour sa 49e saison, elles n'ont été ouvertes que 2 mois contre 6 en 1971. Bungalow trop petit, sans climatisation, dernière rénovation 15 ans en arrière. Club Med n'a pas renouvelé son bail après l'été. À part le vent, le silence est absolu aujourd'hui. Quelques images de squats discrets, le maire est inquiet. On est piégé parce que bon, nous, on a des gens qui tous les jours nous interrogent. Où en est-on ? On ne sait rien, on ne sait pas quoi dire. Donc il y a une perte de confiance, c'est clair. En 2015, l'horizon semblait ouvert. Un groupe corse, Corsea Pierre, s'associait à la CEPAC, Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse, et au fonds Innovalis dans la société Corsea Promotion. Ils rachètent pour 26 millions murs et terrains et promettent une dynamique montée en gamme. Mais l'esquisse proposée par les nouveaux propriétaires relève plus de la promotion immobilière que d'un projet hôtelier, refus du maire, des services de l'État, retrait du club. C'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui de sauver des sites comme cela sans rajouter finalement de l'immobilier. En tout cas, c'est ce à quoi pensent spontanément les gens. Donc, par contre, il y a d'autres modèles. Il y a d'autres modèles qui sont possibles. C'est ce qu'il faut étudier. Mais le modèle classique, si vous voulez, du promoteur, hein, qui va se positionner sur un marché neuf, qui va faire de la croissance immobilière, ça sera très compliqué. Je sais qu'aujourd'hui, il y a un gérant et il y a des associés. Ça, je sais. Alors maintenant... je ne suis pas dans les secrets de ces conseils d'administration. On n'a pas, c'est pas très transparent. On n'a pas les informations. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que l'enjeu de territoire que s'était engagé la CEPAC à maintenir, c'est-à-dire une activité hôtelière de qualité, que la parole soit tenue. Avec la fin de l'exploitation du site, la société Corsea Saint-Ambroge n'encaisse plus de loyer et accumulerait les impayés auprès de sa copropriété. Pourtant, elle fait savoir que des travaux seront lancés en septembre pour 7,5 millions d'euros, sans demande de permis pour l'instant. L'associé local, Corsea Pierre, a changé de nom, d'adresse et de président, et aucun des signataires de l'accord de 2015 n'a la même fonction. Restent les derniers chiffres du Club Med. En 2017, il avait accueilli près de 8 900 clients ici et 10 000 à Cargèse. Balagne Distribution était depuis des années le fournisseur en boissons de la multinationale en Corse. David Dar a connu nombre de ses dirigeants. Son entreprise a perdu 5% de son chiffre d'affaires avec les deux fermetures. Des départs très peu commentés par les acteurs économiques et politiques locaux, pas plus que par Club Med qui n'a pas voulu nous accorder d'interview. Les directeurs que j'ai pu connaître successifs, qui s'occupent à la fois de la région sud de la France jusqu'à carrément la région France, étaient tous, on va dire, convaincus que la Corse aurait pu être un atout. Et derrière, on n'a pas compris. On estimait même que la Corse aurait pu, sur la destination Soleil, être une destination refuge. Et a priori, la direction ne l'a pas entendu comme ça. Ils étaient disposés à faire quelque chose, mais à mon sens, trop tard. Fin de bail à Saint-Ambroge, jour d'insalubrité à Cargèse, et les projets étaient trop importants pour être validés. Destination refuge, en tout cas, Club Med en a trouvé une dans la très compliquée Sicile. Au vieux village de Cefalù, mythique pour l'enseigne, inauguré en 1957, la même année que celui de Santa Giulia. Après 34 ans de fonctionnement, mais aussi plusieurs incendies, 20 ans de fermeture et pas loin de 100 millions d'investissements. En 2018, les cases ont été remplacées par des chambres de pierre et de grand luxe, comme on le voit sur cette publicité. Un 5 trident, comme ils l'ont un temps pensé pour Cargèse ou pour Saint-Ambroge.